Les derniers épisodes ont vraiment vu des gros changements dans notre ville. Aujourd'hui, on va sans doute en créer une nouvelle et repenser notre organisation. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Kingdoms and Castles. La première chose, c'est que vous avez été beaucoup à me dire, fais un boulanger. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à faire un boulanger qu'on peut caser... là, pourquoi pas. Le boulanger va consommer du charbon, donc je soupçonne que... Ouais, là on est on est limite sur le charbon, donc on va en rajouter un petit peu plus. On va mettre une meule de plus, tiens, juste là, pourquoi pas. Également, autre chose, pour l'instant je vais les laisser, mais vous avez été plusieurs à me dire, hey, pour tes tours au milieu de la campagne, pourquoi ne pas les faire en bois plutôt qu'en pierre? C'est une excellente idée. À réfléchir également sur une idée que plusieurs ont eue. C'est-à-dire que plutôt que là de d'étendre et de faire une énorme ville ou quelque chose, certains disaient pourquoi ne pas faire plein de petites villes en fait. Et c'est vrai, pourquoi ne pas faire plein de petites villes? Notamment ici, moi je ferais bien du coup une petite ville ici, parce que bah, c'est là que j'ai commencé à m'implanter. Et c'est surtout ici qui me semble important, intéressant sur cette île. Et pour la dernière île, bah, je pense pas que j'arriverai jusque là. Je vais quand même la coloniser simplement parce que je veux la sorcière. Est-ce que je peux la coloniser? Oui, j'ai déjà... Sérieux, j'ai déjà 200... ok. Alors le problème avec le fait d'installer ici, c'est qu'il y a des loots directs. C'est chaud. Non, allez, vous savez quoi, hein, on peut vraiment le poser où on veut. Moi, je me dis qu'une petite ville... là, c'est sans doute ce qu'il y aura de mieux, donc on va le poser pas ici, ce sera mieux. Et là, il y a des loups juste là. Oh la vache. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Mettre ça genre... tac. Et du coup, ça crée des mecs, ok. Alors... Ah mince, ils sont direct tués par les loups. Alors, attendez. Ha. Voilà, donc ça c'est fait. Boum, 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 boum. Les mecs vont mourir. Alors lui, il est très rouge. Vous m'avez dit que plus ils étaient rouges, plus ils étaient dangereux. Donc c'est cool. Là, ça commence super bien. Bon, là je vais attendre. De toute façon, cette île-là, c'est pas terrible. 62 de bonheur ici, on est pas mal. Et le dragon. J'ai pas assez de balistes pour l'instant. Ça, je sais qu'il faudra que j'en mette. Et je compte le faire. Ah tiens, j'en ai mis une là. Il faut que j'augmente pas mal de choses. Ouh, la baliste, oui, elle fait mal en fait. Oh non, t'éloigne pas trop de la baliste. Oh non, je vais pas réussir. Oh, je suis tellement proche de le tuer. Ah, s'il repasse au-dessus de la ville, ok, je vais réussir à le tuer, je pense. Non, mon grenier. T'es sérieux, il va réussir à s'échapper. Oh. Ok, et ça s'est pas joué à grand chose. On a de toute façon quelques murs en plus à faire. Là, je me rends compte que tout ça, c'est pas encore assez élevé. Mais on se débrouille plutôt bien et on va pouvoir commencer à mettre des balistes et des choses comme ça vers plutôt le centre de la ville. Ça pourrait être pas mal. Alors, j'ai vachement bossé sur notre deuxième colonie. Je pense qu'on peut commencer à bosser sur celle-là qui n'a pas beaucoup d'attrait, dirons-nous. On va commencer du coup par la place du village, voilà, un truc assez basique. Peut-être un peu... Ah, non, ils sont juste à côté de l'eau, ça va. Ceci dit... de la nourriture, tiens. Et... il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose du tout. Ok, dans ce cas-là, plus important que ça, on va avoir le port, qui heureusement... peut venir, donc vas-y, on va te poser là. Et du coup, bah on va, bah oui, du coup on va également créer un autre navire de transport. Paf. C'était pas forcément la meilleure ligne sur laquelle le mettre, mais 35, oula non. Ah si, il avait assez. Ah, never mind. Quoique, ouais mais non, je vais pas dépenser tout pour lui. 50 de bois, je crois que toi t'as 1000 de bois, 412, ouais voilà. Navire de transport, boum. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on ne se ferait pas un autre... tiens, toi, on va te détruire. Je crois qu'on est comment là? On est à plus 32, ok. On va faire un autre port et on va commencer à réfléchir vraiment à cette péninsule. Notamment le fait que là, on va fermer ça, donc on va commencer à
réfléchir à la chose un peu différemment. Oh, t'es sérieux? Maintenant, ils attaquent avec des catapultes? What? Donc là, j'ai des vikings qui sont en train d'attaquer, mais ils n'ont fait que passer. Là... Là, il y a une attaque en cours. Ah oui, il y a une attaque en cours. Ouais, d'accord. Oh, ils sont tous morts de la peste ici, en plus. Oh la vache. Oui, je ne m'étais pas encore occupé de ça. Ah, catastrophe. Ok. Ah ouais, mais alors j'en ai tellement rien à faire du marchand là tout de suite. Ok, donc cette ville, c'est une catastrophe. Oh là 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 là. J'ai pas assez pour reconstruire. Ok, qu'est-ce qui se passe par ici? Il brûle ça, mais c'est pas étonnant. Ça, c'est en train d'être réglé. Ouais, c'est en train d'être réglé. Donc là, je pense que c'est la dernière attaque qu'ils arrivent à faire aussi facilement. Les prochaines, ce sera un peu plus compliqué pour eux. Mais c'est pas vrai. Le dragon qui s'y met, le dragon qui est bien rouge. Qui arrive de la bonne direction, ceci dit. Peut-être qu'il va se faire vaguement toucher avant même d'arriver à la ville. Ah oui, non, il commence à attaquer ici. Ok, donc là, j'ai un focus uniquement sur les défenses, et notamment, il faut absolument que j'ajoute des balistes. C'est ça qui a fait une grosse différence. Nous, ceci dit, non, non, te barre pas trop vite. Oh, le dragon. Oh, le dragon. Yes. Non, mais non. Mais il va pas sur... Oh, non, il a sur... Mais vous avez vu la vie qui va rester? Tristesse. Ceci dit, je pense que je vais quand même avoir le bonus de je l'ai repoussé, parce que... Je l'ai sacrément repoussé quand même, faut pas déconner. Ok, du coup, ça va être... Cet espace-là, je sais pas encore ce que je vais en faire, ce sera pas de la bouffe. Où est-ce que j'ai envie de mettre de la bouffe? Je ne sais pas, tout le monde me dit de mettre des vergers, donc plutôt vergers. Trop éloigné de nos routes. Oh là! Bon d'ailleurs, j'ai oublié sur cette île, mais je suis juste à côté de la sorcière. Je frappe à sa porte. Alors, j'ai 4 ans pour lui envoyer 30 de bouffe. Ok. Ah oui, oui, il faut que je les ai pour lui envoyer. Donc, c'est compliqué comme colonie, hein. Il n'y a vraiment pas grand monde ou quoi que ce soit, mais ça va le faire. Lui, il est en train de lui ramener 20 de bouffe à chaque fois qu'il fait le tour. Sauf que eux, ils n'en ont pas assez. Pour pouvoir booster ça, il faut qu'il y ait plus de gens. Donc j'ai le manoir que je suis en train de reconstruire, parce qu'il y avait déjà ce manoir-là qui juste a été détruit. Je propose... Ah oui, j'ai vraiment... J'ai pas assez de bois, c'est vrai. En fait, oui, j'ai un problème de population sur cette île, avant toute chose. Peut-être... C'est quoi le... Au mort récent? Ah bah... Ouais. Peut-être que je peux faire un petit festival. Un paysan est mort de faim. Ouais, c'est là-bas qu'ils sont morts de faim. Mais je fais ce que je peux. Ah, 112 lits. Ouais, venez, venez, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin que des gens viennent s'installer sur cette île, ça va tout débloquer, ça va être génial. Alors, une nouvelle attaque de viking, je ne suis évidemment pas encore prêt, parce que je me suis focalisé sur les autres îles et pas trop sur celle-là. Il reste cette porte-là qui n'a pas encore été construite. Ah, ceci dit. Je sais pas trop ce qu'ils font. Ils ont l'air un peu perdus quand même. Là, ils vont pas pouvoir passer parce que la porte se ferme, je suppose. J'ai pas encore... ouais, c'est vrai que j'ai enlevé la majorité des trucs... Et du coup, ils sont en train de me casser mes murs. Ouais, bon, ce sera pas encore l'attaque qu'on arrivera à repousser. Surtout qu'il y a un dragon qui arrive. Oh là là. Non, pas mais... Non. C'est des vikings qui ont cassé ça. Ah, ça, c'est vraiment embêtant pour le coup. Parce que cette île a une pénurie de bois fantastique. Dans le mauvais sens du terme. Et j'ai vraiment besoin qu'ils habitent quelque part. Et je peux pas trop réparer ça. Donc ouais, j'ai commencé à construire un peu tout ça, mais j'ai juste un manque de ressources pour tout faire. Hein. J'ai bien vu vos messages sur le fait qu'il fallait que je privilégie la sécurité. Bah j'essaye en partie, mais la vache... Alors on a des gens qui quittent le royaume, c'est pas ouf, et c'est... Je sais pas pourquoi. Alors ici, est-ce que c'est à cause de la bouffe? Ouais, ici c'est principalement la nourriture. Il y a des pénuries parce que... Je sais pas pourquoi, je me demande si c'est parce que... Là, ouais, il n'y a pas assez d'ouvriers dans les ports. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Ils sont où, les ports? Ouvriers portuaires, 7 sur... 10 sur 10, ok, d'accord. Donc, c'est juste parce qu'il y avait beaucoup de bâtisseurs. Parce que j'ai, en fait, besoin qu'ils mettent plus de stock pour qu'ils puissent envoyer plus de nourriture. Vous voyez que là, il y a 31, c'est pas mal. 31 qui sont en train d'être envoyés, mais si on regarde ici...
Tiens, ça dit pas ce qui est amené par bateau. Huh. Ok, donc bon, toujours est-il qu'il faut que je mette plus de champs et de choses comme ça. Peut-être limite les mettre là. J'ai de quoi mettre des champs là. Hop. Et ça m'entrera pas. Bon bah va pour des vergers. Apparemment c'est mieux de façon. Oh là là, la catastrophe. Donc je me tape, non seulement le dragon va arriver en même temps, mais voilà. Je me tape deux ogres ici, sachant que vous voyez que j'ai quand même fait un énorme effort, mais je suis étonné que les ogres arrivent, étant donné qu'il reste des trous dans mes murailles. Du coup, il n'y a pas besoin d'ogres. Et puis, enfin, non, ça va être une catastrophe parce qu'il y a surtout zéro défense. Il n'y a pas une seule tour ou quoi que ce soit. Donc là, ils vont s'amuser. Bon, casser mes murailles, c'est pas très très grave. Casser ça, ça m'embête beaucoup plus. Et en fait, ce qui est super chiant, c'est que là, par contre, c'est défendu, mais comme pas permis. Et évidemment, personne ne va y aller. Ah non, viens. Oh oui, vas-y, viens par là. Alors là, par contre... Ah non, non, regardez ce que j'ai fait. J'ai désactivé... il est où? Les balistes, j'avais désactivé le métier. Alors par contre, voilà, là, il s'est fait dégommer. Wouh, ça, c'était propre. Cool. Eh ben, on va refaire ça. Bon, bah on sait qu'on peut le faire, non? Voilà, balise, parce que 36, c'est beaucoup. Autant 14, ça va... Ah non, attends. J'ai rien dit, il y en a qui reviennent. Ils vont quand même l'attaquer, cette île. Ah, bah parfait. Ouh, par contre, la destruction des armes, j'avais jamais fait gaffe. Donc, là, ça va commencer à arriver direct. Donc, j'ai des balistes, j'ai des archers... Ils peuvent passer sur le... Sur les ponts. Boum! Appui ogre! Ça, ça fait plaisir. Lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il va se faire dégommer aussi. Voilà, lui, il est mort. Lui, il fait le tour. Et eux, ils sont déjà en train de se barrer. Oh, yeah! Temps versant! Exalté par la mort du dragon. Yes! Je sais pas où il est passé, lui. Bon, il s'est téléporté pour se barrer plus vite. Cool! Ok, donc balise, on peut le virer. Donc on a quand même des mecs qui se sont fait kidnapper sur les autres... Ah non, c'est pas vrai, ils ont cassé ça. Bon. Ok, donc la prochaine étape, ça va être de construire, bon, on va dire des portes, mais surtout des tours. Des tours pour protéger un petit peu cette ville-là, parce que c'est bien beau, mais ce qu'on fait... c'est bien beau de l'entourer, mais il faut aussi pouvoir, pouvoir attaquer. Par contre, cette île-là... Comment vous dire? Donc, il y a deux mecs, je suis étonné. C'est plus que... qu'il me semblait. Cool. Donc, ils ont de la bouffe, parce que eux, ils en ramènent de temps en temps. Ouais, non, ils en ramènent pas beaucoup. Hmm... ouais, je sais pas trop quoi faire de cette colonie-là. Ah mince, surtout que j'avais les 4 ans pour elle. Ah. Eh ben, j'ai eu temps. Ouais, j'ai raté la sorcière. Dommage. Alors, je me concentre quand même sur cette île en priorité. Et quelque chose que j'ai envie de mettre... Boum, c'est la cathédrale. Comment ça, elle est trop éloignée des routes, tu rigoles ? Ah, mais... Bah, si je veux la mettre là, non, ça marche pas. C'est le côté... Ah, c'est le côté... L'entrée, est sur... il considère que c'est le côté... Ah, d'accord. Ok, bah c'est pas grave, je vais mettre une route sur le côté de la cathédrale. Enfin, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, on va mettre ça comme ça, ils seront contents. Et... Bam, la cathédrale va venir ici. Boum, ok. Donc ça, c'est pas mal. Ça ne résout pas mon problème de nourriture, parce que beaucoup est censé venir d'ici, mais finalement, je ne suis pas sûr que ça suffise. Et toi, tu es comment? Tu as moins 86. Ah oui. Et toi, t'es à... Moins 75, sérieux? Oh, j'ai vraiment tellement un problème de bouffe. Bah, vous savez quoi? Toi, on va commencer... On va continuer de mettre de... Ah, on n'a pas de bois. On n'a toujours pas de bois, sérieusement. Ok, bah du coup, on va rajouter une chose à, hop, toi, on va rajouter du bois. Ramène du... Ouais, récupère du bois ici, ramène-en 5, cool, 50. Et tu vas le déposer ici.
Alors cool, j'ai une baliste ici et une tour d'archer, mais j'ai trois ogres. ouais, on va. Ceci dit, lui, on va visiblement réussir à le tuer. Quoique, mince, il attaque celle qui a la baliste. Résiste. Oh, ok, on a réussi à l'avoir. On va pas réussir à. Ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir le deuxième. Ah ouais, mais du coup, il continue de s'attaquer à celui-là. Ah non, j'ai rien dit. Ah bah vas-y, c'est ça, on gagne du temps comme ça, boum. Oh, et on va réussir à avoir les ogres, ça c'est cool. Donc on a réussi à tuer deux ogres, eux ils repartent, j'imagine, avec des mecs. Ah, et par contre, évidemment, ils arrivent à rentrer. C'est fâcheux ça. Bon, ceci dit, c'est des défenses qui sont un peu mieux qu'avant. Par contre, tiens, regardons un petit peu ce qui se passe ici. Oh la vache. Oh, là par contre, ça va puer. Alors, on va réactiver nos chères balistes. Qui vont du coup, pour, normalement, les empêcher ouais, d'arriver jusque là, ou presque. Hop. Ça, c'est pas mal. Ok, donc du coup, là, quand même, on a été efficace. Mais bon, en même temps, vu l'investissement qu'on a fait en défense sur cette île, c'est pas étonnant. Même si, ouais, il faut que je mette plus de choses par ici. Alors, on a notre grande cathédrale qui est installée. Ça, c'est cool. On va supprimer tout ce qu'il y a au centre, là, parce que je trouve que, vraiment, ça, c'est moche. J'hésitais à mettre une statue là, mais je pense qu'on va pas le faire. On verra. Par contre, il faudra que je teste un petit peu ce que ça donne avec des jardins. Il y a moyen que ça fasse quelque chose de pas trop moche. Donc, boum, on va voir. On va voir, on verra également si on a envie de mettre une statue, peut-être pas au milieu parce que ce sera pas centré et tout, mais pourquoi pas de ce côté-là. Cool, et évidemment, là on va vouloir également commencer à protéger cette ville-là. Alors je sais pas également quelle forme exactement ça aura, mais voilà, on peut commencer à mettre quelque chose. Cool, on va essayer ça pour cet épisode, on a quand même bien avancé, on a enfin protégé cette zone-là, peut-être que je devrais rajouter une tour ici. Niveau bouffe, on n'est pas encore tout à fait bon, et c'est probablement la première chose qu'on va faire dans le prochain épisode. Je me dis que ici, j'ai toujours eu du mal avec tout ce qui est Noria, aqueduc, réservoir et tout, mais ça peut être assez intéressant d'en mettre, hein. Hop, c'est de l'eau, ouais c'est bon, c'est de l'eau douce. Et comme ça, on peut alimenter toute cette zone-là en eau, et mettre des champs partout. Comme ça, ce sera cool. Donc, Sorrowfields, c'est bien beau, en fait, cette idée d'avoir une seule île qui fournit aux autres. Mais il galère, en fait, à vraiment ramener à temps pour le bateau. Ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez, là, la cargaison. Lui, il est censé récupérer combien 50 de bois, il en a récupéré 9. Ceci dit, c'est vrai que là, il y en a beaucoup, beaucoup du bois maintenant. Ouais, je pense que je vais lâcher le bois, bam. Cool. Bon bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.